Et salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur les nouveaux défis de Fortnite de cette saison 3, donc les défis de la semaine 1. Donc tout simplement les gars, cette fois-ci pour les défis de la semaine 1, il faudra tout simplement entrer dans la chambre forte de Cathy Corner. Donc je vais vous montrer en game où se situe Cathy Corner et comment ouvrir son coffre-fort. Donc c'est parti, on se retrouve en game. Et donc voilà, du coup, comme tu les gars, on se retrouve en game. Donc comme le défi nous l'indique, donc défi de la semaine 1, on nous dit entrer dans le champ dans la chambre forte de Cathy Corner. Donc première étape, qu'est-ce que Cathy Corner? Donc pour ceux qui se demandent, ce n'est pas un personnage ou un boss, c'est tout simplement une ville. Donc depuis que la nouvelle saison est apparue, vous pouvez le voir sur la carte, on a des petits lieux qui n'ont pas encore été découverts. Si vous n'avez pas encore découvert Cathy Corner, donc la ville de Cathy Corner, elle se situe tout simplement en G7 entre Lazy Lake et le bunker, donc le bunker qui est juste ici. Vous survolez la zone où vous atterrissez et ça vous mettra bien que la ville c'est Cathy Corner. Donc ensuite, la deuxième étape c'est, on nous dit de rentrer dans le coffre-fort. Donc le coffre-fort est bien évidemment dans la ville, donc il est juste ici en face. Donc là vous avez la station essence, vous avez la cabine téléphonique, donc c'est ce que je vous conseille, c'est d'aller dans une cabine téléphonique. Donc où est-ce qu'elle se situe? C'est tout simplement juste ici, donc le petit bâtiment là, blanc, donc on voit Big Shot. On a la petite station essence qui est juste ici, donc là vous avez Big Shot, vous avez la station essence. Vous avez la cabine téléphonique pour vous déguisez et vous voyez, quand vous êtes déguisé, les ennemis ne me tirent pas dessus. Ensuite, la seconde étape, c'est de ne pas vous faire repérer par les acolytes et de tuer le boss pour accomplir votre défi. Donc si vous êtes en game normal, ce que je vous conseille, c'est soit de tuer un acolyte et ensuite de l'extorquer, ce qui vous montrera l'emplacement du boss. Des fois, on ne voit pas le boss, donc je l'ai tout à l'heure, j'ai testé, j'ai extorqué et malheureusement, ça ne m'indiquait pas le boss. Normalement vous êtes censé le voir, mais des fois s'il n'est pas assez près de l'acolyte que vous extorquez, ça ne vous l'indique pas. Donc faut vraiment être proche de la zone. Donc le mieux sinon vous prenez un acolyte, vous le transportez jusqu'à la zone où vous voulez que ça soit scanné. Donc là on peut voir il y a du loot, donc là on a pas mal de choses. Tac, d'ailleurs c'est bizarre qu'il y ait autant de loot, je savais même pas. Ou alors c'est peut-être un acolyte qui est mort tout seul. Donc là on se balade et il faut vraiment trouver le boss pour ouvrir le coffre-fort. Donc là on le voit, le boss il est juste ici, donc c'est le bébé Miausclé. Donc là tout simplement ce qu'on voit c'est qu'il y a un acolyte. Donc le mieux ça serait hop de séparer l'acolyte du boss. Et ensuite la seconde solution pour peut-être pas se faire tuer, ça serait de tuer le boss vraiment en douce. Donc comme ça, hop là, donc là vous le prenez, donc vous voyez il n'a pas le temps de tirer, je l'ai tué. Là je me dépêche de le finir. Là vous voyez il y a ces armes mythiques, donc là on s'en fout, c'est le lance-grenade à répulse. Ensuite vous avez l'espèce de nouveau pompe en mythique, donc là pareil on s'en fout. Et nous ce qui nous intéresse c'est ceci, donc la carte à l'accès du coffre de Cathy. Donc il y a bien marqué carte d'accès à Cathy Corner, donc tout simplement le coffre-fort. Là vous retournez dehors, vous essayez de ne pas vous faire repérer par les acolytes. Là on voit dès que vous avez la carte ça vous indique où est le coffre-fort, donc tout simplement comme je vous ai dit juste en face, donc au-dessus, enfin en dessous du conteneur jaune. Vous y rendez, si vous ne faites pas repérer, tout simplement ce que vous avez à faire c'est prendre la carte, la mettre du coup dans la petite machine, ça vous offre le coffre-fort. Là je rentre et vous voyez en haut à gauche, entrer dans la chambre forte de Cathy Corner, c'est terminé, le défi est validé. Donc voilà, tout ce que vous avez à faire c'est tuer le boss, prendre sa carte, ouvrir le coffre-fort et le défi se termine. Comme tu les gars, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sur ce je vous laisse, à plus et à la prochaine.